Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de World of Warcraft Légion. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits changements. Voilà, nous sommes le 4 septembre 2016, il est 14h42, comme on peut le voir là, hein, tranquillement. Et ça y est, Légion est sorti depuis 5 jours. Alors seulement, j'ai pas pu y jouer parce que je suis rentré de vacances hier. Et oui, j'ai le droit aussi à un peu de vacances. Donc j'ai décidé de changer un petit peu les skins de mon perso, histoire qu'il ait un skin qui va mieux avec sa spécialisation. J'ai trouvé plus le mot. L'aspect hors la loi, voilà, donc une spé dégâts, donc je lui ai mis une épée et une dague. J'aimerais bien virer de toute façon la dague ici, la perforeuse de gladiateur belliqueux, et puis taper dans les premières armes qu'on verra bien de toute façon. Donc là, dans la dernière vidéo, on s'était occupé en fait des fameuses failles avant que je parte en vacances. On s'est occupé des fameuses failles qui apparemment il n'y a plus. Il n'y a plus du tout les failles. Donc c'était bien avant la sortie. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en plus on avait le fameux tour de force normalement qui était s'occuper. Alors pourquoi est-ce que événement. Voilà, résistance contre la Légion. Donc ça c'est plus disponible apparemment. Ok, bah on l'a fait. Donc ce que je propose, c'est qu'on continue notre aventure maintenant. Je vais essayer de jouer toute la journée, parce que pendant les deux prochaines semaines, je sais pas, j'espère que le week-end prochain, j'aurai l'occasion de jouer un petit peu. Donc là, je vais essayer de faire quelques vidéos aujourd'hui. Vous les programmez, il y a eu la vidéo de Quad 9 qui est arrivée aussi sur la chaîne, donc voilà, donc tout se passe bien. On a le temps, et on est parti. Donc il y a un fameux serviteur amélioré de 4 guerres qui est apparu, qui n'était pas là avant. Donc il nous dit assister à la téléportation de la... Ok, d'accord, c'est cool. Écoute, je pense qu'on va retourner vers Dalaran. Nous sommes assiégés. La Légion a bien l'intention de renverser Dalaran. Retrouvez-moi à Dalaran, au-dessus du défilé de Deuil-Vent. J'ai un plan. Certes, extrêmement dangereux, mais un plan quand même. Parfait. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait eu accès à un début en fait d'histoire avec l'extension, avec le préachat de l'extension que j'avais fait en vidéo. Et je vais aller par là, parce que là, je me souviens qu'il y avait le TP qui était juste là. Donc maintenant, on va se taper l'extension, voilà, tranquille, je suis impatient de découvrir ça. Et j'ai retrouvé ma barre d'XP qu'on n'avait plus avant, bien entendu, puisqu'on maintenant, on va passer au niveau 110. Je suis impatient en tout cas de découvrir tout ça, et on verra bien ce que ça va donner. C'est Dalaran, oui, c'est le bon Dalaran, ça, hein. Je dis pas de bêtises, hein. Je pense que ça sera bon, de toute façon, on verra bien. En tout cas, avant de partir en vacances, donc c'était quand que j'avais fait la... Je crois que c'était le 28. Non, c'est pas possible. C'était quand que j'avais fait le pré-machin. Je sais. Oula, attends. Voilà, il y a toujours un petit problème de chargement ici. Je sais pas pourquoi, elles mettent toujours des plombes à charger. Voilà. Allez, allons voir ça. Ah, c'est classe comme... Oula. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a un changement de... Ah, et d'accord. Ok. Peut-être que j'ai là. Hello! C'est bon? La connaissance et le pouvoir. Donc là, la Légion se dirige droit sur nous. D'accord. Commencer la téléportation de Dalaran vers les îles brisées. Bah écoutez, c'est parti. Ayez foi en... Oula, non, ils vont pas la détruire quand même, si? Ils vont réussir à la détruire. Ah ouais. Citoyens d'Azeroth, aujourd'hui est un grand jour pour nous. Qui nous verra reconquérir notre monde. Et renvoyer la Légion dans les enfers qui l'ont engendré. La voie est libre. Les piliers de la création nous attendent sur les îles brisées. Ah bah je me disais aussi, bon sang. Je me disais, mais ils vont pas réussir à détruire Dalaran, c'est pas possible. Bah voilà, c'est cool.
Donc en tout cas, nouveau fond d'écran, enfin nouveau fond d'écran de chargement. Bien entendu. Alors, du coup, est-ce que les comment ça se passe? Oh le monde déjà. Comment ça se passe par rapport aux quêtes? Je me suis posé la question. Donc du coup, est-ce que si on commence, on fait tout comme moi j'ai fait avant la sortie, ou bien est-ce que on fait ça avant d'arriver sur les îles brisées? Avec vous. Enfin, je me comprends. Je me comprends. Donc, d'un battement de cils. Je lis, hein. Je connais pas du tout, donc je découvre complètement. Sincèrement, d'accord, hein. Se trouve à présent sur l'île. Ah, c'est ici que l'horizon va bien fort. D'accord. Pierre de Foya d'Alaran, ça c'est cool. Et tome de l'esprit tranquille, créer le personnage. D'accord. Que la lumière vous bénisse. Alors, oulala. Oulala, attendez, je joue un truc. Ah bah non, je suis quand même encore à 45, 50, ouais, je suis encore à 50 FPS, ça va. J'ai eu peur pendant 2 secondes, je me suis dit, mais oulala, comment ça va se passer? Alors attendez, les mascottes, je sors mes petits trucs d'habitude, hein. Ça c'est vraiment qu'est-ce que tu vends toi? Monture exotique? Qu'est-ce que tu vends comme monture exotique? Ça m'intéresse direct. Ah oui, mais je les ai déjà, d'accord, ok. Mais il manque juste apparemment les reines du mammouth, les nœuds, que je ne peux pas prendre, d'accord. Et puis il y a les reines de mammouth. Oh, couteau, on verra ça plus tard, il y a rien qui presse. Salutations, tu es qui toi? Salutations. L'appel des 100 couronnes. Ok. Adieu. Parfait. Et tu veux que j'aille rendre ça où? Alors attendez, 2 secondes, je vais regarder. Eh ben nous y voilà, hein. Nous y voilà, c'est parfait les îles brisées. Je sais absolument pas par où aller. Apparemment, si j'ai bien compris, on peut aller où on veut. Il n'y a pas de niveau par rapport, aux zones, qui est étonnant d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a une liberté totale de voyage. On peut passer d'une zone à une zone sans avoir de problème. Bah, je pensais essayer de suivre les quêtes, hein. Franchement, je pense que le mieux c'est essayer de suivre les quêtes, suivre ce qui est demandé, voilà, je voulais juste aussi, est-ce que, évidemment, je vais pas pouvoir voler, bien entendu, parce qu'on ne peut pas voler, parce que, voilà, c'est l'extension, donc on peut reprendre un Talbuck, voilà, petit Talbuck sympathique, toujours plaisir. Surtout que je vois pas beaucoup de personnes utiliser les Talbuck, donc moi j'utilise les Talbuck parce que je les aime bien, déjà, et puis que c'est aussi une monture qui est pas non plus très très utilisée, j'ai l'impression. Bon, peut-être qu'elle est moche, hein. Moi je la trouve super belle. Mais bon, voilà, ça c'est une question de point de vue. On vous demande immédiatement à la salle des ombres. Entrez dans la boutique produit de prestige. Puis dites au rouge le corbeau croasse. Il vous montrera le chemin à suivre. Parfait, excellent. Assurez-vous de ne pas vous faire suivre. Les yeux des 100 couronnes sont rivés sur vous. Allez, fais péter. Hello! Oh, mais il y a beaucoup. Enfin, c'est moins fade qu'avant. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petits détails, il y a beaucoup de petits machins, c'est sympa. Salutations. Salut. Le corbeau croate. À plus tard. Yeah! Ça, c'est chouette. Allez, go. Oula. C'est bon. La salle des ombres. Ah, c'est mon domaine, ça? C'est déjà mon domaine du voleur? Oh! Oh, les amis! Oh, le bonheur, les amis! Ça y est, c'est bon, on a notre domaine. On va découvrir notre domaine. Classe. Ah, je m'attendais pas à recevoir directement mon domaine. Ah, tu te calmes? Dis donc. Bah oui. C'est bon? Ok. Bah go alors. C'est bien sympathique, dis donc. C'est chouette. Alors qu'est-ce que marchand de lames? Qu'est-ce que ça vaut ça? Ah oui, c'est bien pourri quand même. Hein. Et le skin est comment? Ouais, d'accord. Ouais, c'est du skin basique, hein, d'accord, ok. Oui, là c'est pareil. Alors voyons ça. Alors du coup ça va fonctionner comme le fief alors, c'est ça? Apparemment si j'ai bien compris, ça fonctionne mieux que le fief. Comment allez-vous? D'accord, portez-vous les bien.
Ah, et donc en fait, tous les voleurs peuvent se retrouver du coup au même endroit, ce qui est très classe. Ce sont les meilleures marchandises de ces contrées. D'accord. Ah, ils vendent déjà des... Sérieux ? Ils vendent déjà des montures ? Ah, c'est mascotte. D'accord, j'avais pas vu. La monture, ouais, bah ça va. Là, il ira se faire voir. Là, il ira gentiment se faire voir. Je vais pas dire foutre parce que c'est un peu violent, mais sinon... Salutations. D'accord, poison... Oui, mais de toute façon, on a tout ce qu'il faut. Je regarde, hein. Je sais que c'est peut-être un peu lent pour certaines personnes, mais je découvre vraiment, je connais rien de cette extension, parce qu'on parle bien de sortir, c'est normal. Hein. C'est la surprise, quoi. Qu'est-ce que vous cherchez ? Que les esprits vous... Je sais pas, quoi. Ils vont quoi, lui ? D'accord, il va vraiment falloir... Je vais aussi me renseigner sur le net pour savoir en fait tout ce qui est possible. Donc voilà notre fief de voleurs. Enfin notre fief. Oui, si, le domaine. Je vais appeler domaine, sinon je vais me faire lyncher. Je vais me faire lyncher par les gens. Ah, mais Néron, c'est pas un fief, c'est un domaine. Il y a du monde, il y a beaucoup de peuples, c'est vraiment cool. En tout cas, ça va bien me faire plaisir. Alors, qu'est-ce que... Oui, d'accord, ok. Je sais que je dois aller à la petite boule, hein, vous en faites pas. C'est juste que je découvre, en fait, et que je veux vraiment tout voir. Enfin, je veux voir les PNJ, je veux voir les machins, ce qu'ils vendent. Que cherchez-vous ? Nous obtiendrons justice. Salutations. D'accord. Ok. Ok, bon allez, on va aller voir le perso, on a un peu fait le tour, il y a certainement d'autres trucs à voir, on prendra nos marques un peu plus tard aussi. Alors t'as la salle des coffres ici. C'est cool. C'est cool. Ok, bon allons voir ça. Du coup c'est qui je dois voir ? Ça doit être là, non ? Ah ! Voici ah ben notre dernier membre. Bienvenue à bord. Ne Salut. Vous en faites pas. Ils sont plus amicaux qu'ils n'en ont l'air. C'est vrai ? Je me réjouis de constater que vous avez répondu à notre appel. Cela fait un moment que nous souhaitions vous voir parmi nous. Bah écoute, avec plaisir, hein. Oh ! Hey, comment ça va? Du coup, c'est la miniature en fait de, que j'utilisais. C'est Valera, mais qui est vachement pourri au niveau des textures du. Putain, ça m'étonne ça. Je les trouve pas très nettes au niveau des freins, quoi. Ah ben voilà Tess. Ah ben ça faisait longtemps. Allez, tiens. Nous agissons là où d'autres ne le peuvent. Votre réputation vous précède, Néria, d'accord. Toutes nos excuses pour notre goût du secret, d'accord, d'accord. Alors, vous êtes ici dans la salle des sans couronne. D'accord, fausseuse d'empire, d'accord. Comme jusqu'ici pour la dernière ombre du conseil. Ah bah c'est cool, hein, moi je veux bien. Tout vient à point. Nous aimerions vous proposer une place à notre table. Bah allez, fais péter. Asseyez-vous. Et vous aurez les réponses à vos questions. Je vais virer ça, est-ce qu'il prend de la place, mine de rien. Voilà. Voilà. Excellent choix. Nous sommes les ombres qui dirigent les 100 couronnes. Ben Nous oui. employons diverses méthodes pour garantir la sécurité d'Azeroth et y conserver la place qui nous revient. Parmi ces méthodes, le secret figure en bonne place. Comme notre titre le suggère, nous préférons agir dans l'ombre. Mais les événements du rivage brisé ne nous laissent pas le choix. L'heure n'est plus à la subtilité. Si nous vous invitons à cette table, c'est que nous vous pensons à même de faire face à cette menace et d'en venir à bout. Installez-vous. Et nous pourrons évoquer tout cela plus en détail. Bah écoute, c'est ce que j'ai fait, mon ami. Hein. Je suis ravie de voir une nouvelle tête à notre table. Je commençais à en avoir assez de la vilaine bobine de Tétis. En toute amitié, bien sûr, Tétis. J'espère bien. Sauf qu'on avait dit pas le visage.
J'ai entendu de nombreuses histoires sur vos exploits. Pour tout vous dire, j'ai du mal à croire que la moitié de ce qu'on m'a raconté est vrai. Ah. Bon, bah écoute, si ça te plaît pas, tant pis. Hein. Les ombres nous appellent. Donc, un signe, son couronne liée qu'on ramassait. D'accord, bah écoutez. Autrement, comment pouvez-vous être le seul? Ok, bah alors. Est-ce tout? Voilà. Cet insigne montre que vous faites partie des nôtres. Ne vous en séparez jamais. Ok, nous cherchons depuis longtemps quelqu'un qui soit capable d'agir efficacement, d'accord, hors de ces murs. Notre âme est rien, d'accord. Des lames qui frappent proche, c'est cool. Pour pas venir à cette fin, il vous faudra des armes assez puissantes. Ah, bah c'est des armes légendaires. Enfin, c'est ça, c'est cool. C'est cool. Façon de procurer les armes à la hauteur du combat, d'accord. Choisissez l'arme prodigieuse que vous souhaitez vous procurer. À la prochaine fois. Réfléchissez bien. Je le sais déjà. Écoutez-moi attentivement. J'ai un plan qui vous permettra à coup sûr... Alors, je compte m'emparer des dagues maudites qui ont tué le roi. Non, non, c'est pas les dagues que j'ai besoin. Je suis à deux doigts de trouver une ennemie que nous traquons depuis des années. Avec un peu d'aide, nous pourrons l'éliminer et nous emparer. Peuple de Catenine, le meilleur gars, a découvert des sabres d'abordage dotés. Les régicides sont notre seul espoir de vaincre. C'est les lames d'effroi. C'est celui-là que j'ai besoin. C'est cette lame-là que j'ai besoin. Qui correspondent en fait au hors-la-loi, bien entendu. Hein. J'ai sorti les armes, mais là c'était. Enfin, c'est deux épées qui ressemblent à des. À des quoi? Il le dit pas, non? C'est des sabres d'abordage, mais c'est assez sympa. Ok, je fais comment pour choisir? Je suis tout ouïe. Passez me voir quand vous voulez. Faut que j'écoute les trois, à mon avis, je pense, non? Je ne me frotterais pas à moi si j'étais vous. Voilà, c'est ça. Plan, ok, d'accord. Aldi Al-Shallah. Alors, les lames d'effroi. Qu'y a-t-il? Je suis prête à prendre tout une décision. Se passe comme prévu. Hors la loi, l'arme d'effroi, c'est ça. Donc, en fait, en assassinat, on a les régicides, qui sont des dagues. Voilà. On a, en finesse, on a les crocs du dévoreur. Donc ils sont des dagues aussi. Et en hors-la-loi par contre on a des épées. Voilà, parce que du coup c'est un bretteur le hors-la-loi. Donc c'est une classe qui va jouer avec deux épées. Et qui moi m'intéresse vraiment. Parce qu'en fait je jouais en assassinat avant. Et je jouais avec deux épées. J'ai envie de changer, voilà, pour cette extension. Et puis en plus il y a la possibilité de changer avec la mage et tout. Donc c'est parfait. Donc ouais, avant d'acquérir cette arme prodigieuse, il pourra effectuer un certain temps. Donc vous pouvez choisir une autre. Je m'en fiche, je veux celle-là. Voilà. Je vous écoute. Ouais, sans courant, nous serons à tous. Alors. Tout vient à point à qui c'est attendre. Voilà. Alors, je sais pas si je peux la lancer dès le début, je pense que oui, hein, sinon il l'aurait pas donné. J'aimerais vous proposer un accord, d'accord. L'animal de l'effroi et possède une paire de lames maudites qui en fait, d'accord. Aidez-moi à récupérer mon bateau et ces lames vous seront à vous. Parfait! Parlez à l'amiral de la flotte Tétis à bord de la voile Cramosi à la baie du butin. À baie du butin. Allez, ben go, hein, baie du butin. Donc, entrez dans la chambre du gardien. Alors, c'est où ça? Écoute, on va déjà sortir. Bah, les gars, si dans ces premiers épisodes, on peut déjà avoir notre arme qui va évoluer avec tout, c'est parfait. En même temps, elle est censée évoluer avec notre personnage, donc c'est logique qu'on l'ait dès le début. Hein. Enfin, pour moi, ça me paraît logique, en tout cas. Hein. Après, voilà, ça me semble normal. Ça me semble normal de disposer, en fait, d'armes qui évoluent, quoi, directement. C'est pas au niveau... Alors, attendez, parce que du coup... tac, ça je vais mettre ça là, mais ça je vais mettre ça là. Qu'est-ce que j'ai encore besoin? C'est quoi ça? Sans couronne pour... Ça je vais mettre ça là, je sais pas trop à quoi il sert, mais... Comment prouver que vous êtes celui? Toujours sur eux. Bah écoutez, je vais garder ça. Voilà, ça que j'avais même pas encore fait. J'ai toujours mon jeune pot de venin. Oh là là, il y a des trucs que je n'ai pas fait. Et c'est moche, c'est très moche. Allez. Voyons ça. Alors attendez. Bon, mais c'est au centre. Ok. Ah, merde. J'ai foiré. C'était pas ça que je... Quoique, ah si, peut-être. Si, c'est bien cela. C'est bien ça. Où est-ce que nous sommes là, du coup? Où est-ce que nous sommes? Ah, nous sommes toujours à Dalaran, d'accord. Ok, bon bah écoutez, hein. Go. J'ai envie de dire.
Ah, d'accord. Ah, c'est les armes... C'est prodigieuse, c'est ça. C'est pas les armes légendaires. C'est les armes prodigieuses, si j'ai pas loupé le mot. Hein. Repos du verre. Ah, mais t'as plein de TP, c'est trop cool. Bah, du coup, Dalaran va se retrouver être le centre... Vraiment le centre de névralgique de toute cette extension. Et c'est pas plus mal, quoi. Donc, emprunter le portail vers Karazhan. Bah, écoute, c'est parti, mon kiki, hein. Ah bah ça promet, ça promet les amis, ça promet, je suis impatient de voir tout ça, de découvrir. Puis je trouve que le skin de mon perso va mieux que celui que j'avais avant avec l'aspect quoi. Bon par contre, apparemment il y a des petits soucis de chargement, non? C'est pas ça? Attendez, bougez pas. Et je bois un coup parce que voilà, il se fait soif quand même. Voler jusqu'à B du butin. Je sais plus c'est où, mais c'est pas là, baie du butin. Ouais, c'est ça, hein, c'est baie du butin. Parce que je propose. Ah, c'est que. Oui, j'ai toujours pas peur, oui, c'est ça. Ce serait pas mal que j'apparaisse quand même un jour, peut-être. Non, ça serait sympathique. Optionnel, voler jusqu'à butin, monter à bord de la voile cramoisie. D'accord, il y en a aucun qui me propose de me TP jusqu'à baie du butin. Non, ça, ils sont trop. Ben, vous savez quoi, je vais me TP à la vallée et puis j'irai jusqu'à baie du butin. Allez, on se retrouvera là-bas. Alors, on arrive tranquillou. Alors, la baie du butin, donc en fait, pour la baie du butin, c'est simple pour l'ordre. Vous allez hors Grimmar, vous prenez un zeppelin. Hein. Il y a un zeppelin qui va. Oh! Oh! Oh oh, j'ai cru que pendant 2 secondes le jeu allait me lâcher, mais non, ça va, tout se passe bien. Alors, voyons ça. Donc, voler jusqu'à B du butin, voilà, c'est bon, on y est. Alors, je sais pas s'il voulait parler de voler comme ça, hein. J'en sais absolument rien. Et maintenant, il me dit d'aller sur le. Bah, ça doit être celui-là, il y a que celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà. Salut! Ouais, bah. Moi j'y vais, je suis un fou. Alors. Quoi, c'est tout? Où est-ce qu'il est? Ah, il est certainement dedans, non? Puis-je rentrer dedans? Non, je ne peux pas rentrer dedans? Où est-ce qu'il est? Ah, bah, il a. Écoutez! Levez vos chopes! Pour notre hors-la-loi qui va arracher les lames d'effroi au corps sans vie de cette maudite élite. Ouais. Allez, go. À la revoyure. Donc les lames d'effroi. Bah écoutez, moi ça me fait plaisir. Le plan est simple, la voile cramoisie se rapprochera aussi près que possible sans se faire repérer. D'accord. Un abordage, quoi. C'est cool. Ah non, nous faire débarquer. Ah oui, non, c'est pas un abordage, dommage. Une fois à terre, nous montrons à bord de l'horizon pour foudroyer... Pour soudoyer, pardon, son équipage, j'ai mutin. Allez, c'est parti. Allez, fais partie. Fais parti. C'est un mélange entre c'est parti et fais péter. Fais partie. Voilà, c'est bon ça. Quand tu veux. On a la musique, on a tout. On a tout, et puis c'est parti. Hein. Petit chargement. Ah ouais, j'en profitais pour boire. Voilà, gardez. Voilà. Allez, phase 1. Bah c'est parti, hein, diplomatie maritime. Allons-y. L'horizon se trouve juste derrière cette crête. Est-ce que je fais péter les machins? Non, je vais enlever ça. J'ai rien à mettre, si je me rappelle bien. Passez sans vous faire repérer par les gardes. Expliquez notre façon de voir au second. On vous rejoint après. Ça roule. Bonne chance. Je guetterai votre signal. T'as rien vu, toi. T'as absolument rien vu. Ah, le kleps, il va me griller, je le sens. Non, c'est bon, tout se passe bien. Fiquez-moi ce bonbon de Sactos. Je veux que ça brille. Alors. L'effroi exige la perfection. Bon, bah go, hein.
secours. Avez-vous échappé à mon équipage, bande d'incapables? Le reste de la flotte de l'Extra est en route. Alors c'est quoi maintenant? Voilà une offre que je ne peux pas refuser. Allez. Repliez-vous dans le temps. Ils peuvent prendre cette épave si c'est leur chance. Ben voilà. Voilà! Qu'est-ce que tu fais le malin? Qu'est-ce que tu fais le malin? Reviens ici! Reviens que je te mette ta race! L'horizon est à nous, les gars! Il est pas magnifique, ce ratio! Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous trouverez Elisa dans les ruines du temple, là-bas. Faites gaffe! Ton équipage tout entier veut en découdre avec nous. Bah allez, c'est parti. On arrive en renfort dès qu'on est prêt. Il est où, le temple? Ah ouais, d'accord. Donc en fait, en fonction de du truc que tu choisis... Tu démarres sur une... C'est possible, hein. En fonction de l'arme que tu choisis, tu démarres sur une zone différente. Bon, ben nous voilà, écoutez, voilà. Moi, je vais pas cracher sur la... Sur la truc, hein. Alors, les ruines sont là-bas. Ben écoutez. Allez, hein. Quoique non, je prends un truc un peu plus discret que... Y a moyen de remonter par là ou pas? Non, c'est par là. Tout va bien! Tout va bien! Oh! Ah! Ah! Voilà! On va passer sans. Hein. Ah, il m'a grillé lui! Ah ouais, bah écoute. Ouais, on va éviter de faire trop le malinois. Hein. Putain, je pensais à un truc. Est-ce que je peux utiliser... Est-ce que je peux utiliser ma fameuse gourde en étant caché? Normalement, je peux. Hein. Je sais pas. Je vais mettre là, pas trop près. Ah, je peux l'utiliser en étant fufu. Excellent. Parfait. C'est même mieux que je pensais. Ben go, go go, allez, on monte dans le machin. Ah ouais. Ah ouais, pas mal quand même, ouais. Ouais, ouais, je vois bien le problème, là. Là, je vois bien le souci, là. Ça, je crois que ça va faire mal. Honnêtement, ça risque de faire mal. Mais ça va le faire, ça va être bien. Alors, c'est vous qui avez volé mon navire et tué mon équipage? Ouais, mais c'est barbe ça. Lâchez le géant. Génial. J'ai affaire dans le temple. Génial. Manquait plus que ça. Avec toi, amiral. Oh, ce chien. Tous tâcheront des lames de l'amiral de l'effroi, Elisa. Voilà, ça c'est bien fait pour toi. Je peux pas lui nier la gueule. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le temps là en fait? Il y a un temps là. D'accord. Ah, j'ai compris. Viens ici, mon gros. Viens ici. Merde. Alors, viens ici. On va pas essayer de taper. Ah non, c'est qui le stunt? Ok, d'accord. Alors, on vient par ici. Là, ça risque d'être un peu loin, par contre. Ouais, voilà. Alors, je sais pas si ça sera assez. Merde, ça l'a pas fait? Ah, oh, fait chier. Alors, ils sont où les pas de tir? Là, il y en a un là-bas. Ah, là, ça va être bon. Allez, viens. Voilà.
Ben voilà, c'est bon. Voilà. Une fois qu'on a compris le principe. Tiens, je me posais la question. Ah bah les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, les amis, parce que du coup, ça fait déjà 30 minutes. Écoutez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous donne envie de regarder la suite. En plus, on voit Dalaran là. C'est cool. C'est cool. Allez, à plus tout le monde. Merci et salut.